The following program is brought to you by Christian International Outreach. Bienvenue à l'émission de Christian International Outreach Ministries. Vous serez béni par l'onction de Dieu à travers le message d'aujourd'hui. Welcome to Christian International Outreach Ministries, a house of prayer for all nations, where the love, the presence, and the power of God are real. Your life will be mightily blessed by the anointing of God flowing through the following message. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis le pasteur Paco avec mon fils Ephraim au studio comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse. Welcome to our weekly radio program. I'm Ephraim Paco here in the studio with my father. God bless. Open your Bible. We read the same scripture we read last Sunday. Nous lisons la même écriture que nous avions lu le dimanche passé. In Luke chapter number 22. Dans Luc chapitre 22. Verse number 28 to 34. Le verset 28 jusqu'au verset 34. And we'll focus on the last part of verse number 32. Nous allons nous focaliser sur la dernière partie du verset 32. But before we read the Bible again, I want you to write something for me. Mais avant de lire la Bible encore, j'aimerais que vous écriviez quelque chose pour moi. Pull up your ink pen. Prenez votre bille, stylo. I'll ask you two questions. Je vais vous poser deux questions. I want you to write down the answers. Vous allez y répondre. And at the end of the message, we will pray about what you have written. Et à la fin du message, nous avons prié à propos, nous allons prier à propos de ce que vous avez écrit. Three questions. Trois questions. Number one, I want to know if you are here. Premièrement, j'aimerais savoir si vous êtes ici. And you know you have a calling from God. Et que vous savez que vous avez un appel de Dieu. Just raise your hand. I don't want you to write down. Just raise your hand. Levez seulement votre main. Gloire you au have Seigneur. A calling from God. Vous avez God un appel de you. La part du Seigneur. You know you have something to do. Vous savez que vous avez quelque chose à faire. From God. De la part de Dieu. Amen. Amen. Thank you. Merci. Now, question number one. Première question. Is there anything in your life? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie? I want you to think. J'aimerais que vous puissiez y penser. Before you write the answer. Avant de répondre. Anything that you know. Quelque chose que vous savez. Personally. Personnellement. That God really helped you. Que Dieu vous a aidé. You can give a testimony. Vous pouvez donner un témoignage. Beyond a shadow of doubt. Sans l'ombre de doute. I was in this situation. J'étais dans cette situation. It is God that helped me. C'est Dieu qui m'en a sorti. If God has done something like that in your life. Si Dieu a fait quelque chose comme ça dans votre vie. Then I want you to write the answer. Yes. Écrivez la réponse si oui. If God has done nothing, then I want you to write the answer no. Si Dieu n'a rien fait, écrivez non. That's the first question. C'est la première question. Second question. La deuxième question. If you look at your life honestly. Si vous regardez votre vie honnêtement. Is there anything? Y a-t-il quelque chose? That you know. Que vous savez. You need the hand of God. Donc vous avez besoin de la main de Dieu. People cannot help you. Les gens ne peuvent pas vous aider. Yourself tried, you cannot. Vous-même vous avez essayé, vous ne pouvez pas. You need the hand of God. Vous avez besoin de la main de Dieu. To help you. Pour vous aider. In that specific area of your life. Dans ce domaine spécifique de votre vie. Then I want you to write it down. Si vous pouvez l'écrire également. It is between you and God. C'est entre vous et Dieu. Amen. Amen. Now the reason I'll ask you to write those two things. La raison pour laquelle je vous demanderai d'écrire ces choses. It is because. C'est parce que. Of what Jesus told Peter. C'est à cause de ce que Jésus a dit à Pierre. At the end of verse number 32. À la fin du verset 32. First of all, he said, "I prayed for you." Premièrement, il a dit, j'ai prié pour toi. And he said, "When you will be strengthened, when you will turn around and come back." Il a dit, lorsque tu seras converti, lorsque tu vas tourner pour revenir. When you will receive the help and the strength
from God because I prayed for you. Lorsque tu vas recevoir l'aide et la force de Dieu parce que j'ai prié pour toi. He said, then you strengthen your brothers. Il a dit, affermis tes frères. You know, the good news is the news of salvation. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est la nouvelle du salut. That God can save a sinner. Que Dieu peut sauver un pécheur. He can change a life. Il peut changer une vie. Because of the blood that Jesus shed on the cross. À cause du sang que Jésus-Christ a versé à la croix. But the good news is also. La bonne nouvelle est également. That when God has won a soul to him. Lorsque Dieu a gagné une âme pour lui. There is a walk with God. Il y a une marche avec Dieu. That is not always easy all the time. Qui n'est pas toujours facile. And as believers, et comme croyants, we have the responsibility. Nous avons la responsabilité. Number one, to make sure we are having an authentic walk with God. Premièrement, de nous rassurer que nous avons une marche authentique avec Dieu. But also, également, that we are investing in our fellow believers walking with us. Que nous investissons dans notre prochain, dans nos bien-aimés croyants qui marchent avec nous. Because life as a believer, parce que la vie comme croyant, may be subject to surprises like we saw with Peter. Peut-être sujet à des surprises comme nous l'avons vu avec Pierre. With times of trials, il y a des tribulations and problems et des problèmes that can shake your faith. Qui peuvent bouger votre foi. God, Dieu, is expecting each one of us s'attend que chacun de nous to be an instrument in his hand. Soit un instrument entre ses mains. To help sustain, pour aider à soutenir, and strengthen, et fortifier, other fellow believers, d'autres bien-aimés. Amen. Amen. Jesus said, Jésus a dit, I prayed for you. J'ai prié pour toi. You will be strengthened because I know God heard my prayer. Tu seras fortifié parce que je sais que Dieu a écouté mes prières. When you receive from God, lorsque tu vas recevoir de la part de Dieu. You receive also the responsibility. Tu reçois également la responsabilité. To strengthen your brothers. De fortifier tes frères. Amen. Amen. Beloved. Bien-aimé. Our walk with God. Notre marche avec Dieu. Is never a walk in solo. N'a jamais été une marche en solo. No. Mm-mm. No one can survive alone as a believer. Personne ne peut survivre seul en tant que croyant. No. Mm-mm. Even when Jesus sent his disciples, même lorsque Jésus envoyait les disciples, he sent them two by two. Il les envoyait deux par deux. For a reason. Pour une raison. Amen. Amen. It is very important. Et c'est très important to know, de savoir. Trouble will come. Les problèmes viendront. Trial will come. Les épreuves viendront. Real problems will show up. Des problèmes réels viendront. But there is a place. Mais il y a un endroit where help is available. Où l'aide est disponible. Where help comes from. Là où l'aide vient. It comes from God. Ça vient de Dieu. Amen. Amen. It comes from God. Ça vient de Dieu. And prayer is important. Et la prière est indispensable. If Jesus, si Jésus, decided, a décidé, the best way to help Peter, la meilleure façon d'aider Pierre, is to pray, était de prier. That shows you and I, rassurément vous et moi. We can learn, nous pouvons apprendre, the importance of prayer, l'importance de la prière, when we are in trouble, lorsque nous avons des problèmes, or when our fellow believers or our family members, our brothers and sisters are in trouble, ou lorsque nos bien-aimés ou nos membres de famille ou des gens que nous connaissons ont des problèmes. Amen. Amen. Today I want us to see. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir what it is exactly you do.
Qu'est-ce que nous faisons exactement? What is expected of us? Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? When we see a fellow believer, lorsque nous voyons un bien-aimé going through a hard and difficult time, traverser des moments difficiles. Because it is our calling. Parce que c'est notre appel. Amen. Amen. Jesus said this. Jésus a dit ceci. The way you will discover, la manière dont nous allons découvrir those that are really that belong to me, ceux qui m'appartiennent réellement, one sign will show you, un signe vous montrera. If they love each other, si ils s'aiment les uns les autres, the way I loved you, la manière dont je vous ai aimé. Amen. Amen. So when your brother or your sister is going through something, lorsque votre frère ou votre sœur traverse une situation, it is your calling, c'est votre appel, to jump in with love, d'y entrer avec amour, and do what Jesus did, et faire ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Amen. There is a specific way, il y a une manière spécifique, that we can do it, que nous pouvons le faire. Let's see one example in the Bible, voyons un exemple dans la Bible, and then we will pray, et puis nous allons prier. Now open your Bible with me in 2 Corinthians, nous allons ouvrir dans 2 Corinthiens chapter number 1, chapitre 1er, and we will see, et nous verrons the example of Paul, l'exemple de Paul. Now let's read from verse number 1 to 11, then we'll pick a few verses and then pray. Nous lirons du premier verset au 11e verset. Nous allons prendre quelques versets puis nous allons prier. Beloved, bien-aimé, I want you to know, j'aimerais que vous puissiez savoir, that God is waiting for you, que Dieu vous attend, to commit, pour vous engager, to do something, à faire quelque chose, for someone who's suffering today, pour quelqu'un qui souffre aujourd'hui. Here the apostle Paul says this. Ici l'apôtre Paul dit ceci. First of all, verse number 1, he's writing, he say it is I, apostle Paul, I'm here with Timothy. You know us, we are men of God. Premièrement, ici l'apôtre Paul dit, moi l'apôtre Paul, j'écris avec Timothée, vous nous connaissez en tant qu'homme de Dieu. Verse number 2, he said, au verset 2, il dit, may God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. This is a prayer. Ça, c'est une prière. He says, may God. Il dit que Dieu and our Lord Jesus Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ, give you, vous accorde, grace and peace, grâce et paix. He was writing to fellow believers, il était en train d'écrire à des croyants, and he's talking about troubles and difficult situations they went through, et il parlait des troubles et des situations difficiles qu'ils traversaient. And the first thing he's doing is asking God, et la première chose qu'il fait, c'est de demander à Dieu. Beloved, prayer is the first thing you do. Bien-aimé, la prière, c'est la première chose qu'on fait. You may not know what to say. Vous pouvez ne pas savoir ce qu'il faut dire. You may not have what is needed to solve the problem. Vous pouvez ne pas avoir ce dont on a besoin pour résoudre le problème. But always come to God. Mais toujours venez à Dieu. He is the one who said, il est celui qui a dit, in the day of trouble, dans la détresse, call up to me, invoque-moi. And he said, I will hear. Il a dit, je vais t'écouter. And he said, I will stretch forth my hand. Il a dit, je vais étendre ma main. And remove you from trouble. Et te sortir de la détresse. The source of help, la source de l'aide, is in God. Du secours se trouve dans le Seigneur. And we have to pray. Et nous devons prier. Amen. Amen. Don't just look at someone who's going through troubles. Ne regarde pas seulement quelqu'un qui va dans des situations difficiles. And you pick up your phone and you talk about that. Et puis tu prends ton téléphone pour en parler autour de toi. Talking about that to others, parler de cela à d'autres personnes, is giving the devil ammunition. C'est donner au diable des munitions.
Because they will hear, oh, so and so said so. Parce qu'ils you are destroying the person who is suffering. Telle personne a dit ceci, telle personne fait cela. Vous êtes en train de détruire la personne qui est en train de souffrir. Take that time. Prends ce temps. And talk to God. Et parlez à Dieu. Cry out to God. Criez vers Dieu. Cry out to God. Criez vers Dieu. Ask God for His grace. Demandez au Seigneur sa grâce. Because there are things. Parce qu'il y a des choses. No one can help. Personne ne peut aider. Only the grace of God. Si ce n'est la grâce de Dieu. Can open those doors. Ça peut ouvrir certaines portes. Amen. Amen. Ask God for peace. Demande à Dieu la paix. Peace is very important. La paix est très importante. Some situations. Certaines situations. They linger for years. Ça dure longtemps. And the weight of them. Et le poids de la situation. Can crush and destroy somebody. Peut écraser et détruire une personne. But when the peace of God is there. Et lorsque la paix de Dieu vient. Peace gives strength. La paix donne la force. To walk. Pour marcher. To walk. Pour marcher. King David said. Le roi David a dit ceci. Even though I walk into the shadow of the valley of death. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. He said, your staff will carry me through. Ta houlette et ton bâton me conduit. They will strengthen me. Ça va me fortifier. Reassure me. Me rassurer. That you are with me. Que tu es avec moi. I am not abandoned. Je ne suis pas abandonné. I'm just walking through. Je vais passer. There will be a time. Il y aura un moment. All this will be behind me. Tout cela sera derrière moi. Because of the help of God. À cause de l'aide de Dieu. Amen. 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 Pray, beloved. Prie, bien-aimé. Ask the grace of God. Et demande la grâce de Dieu. And the peace of God. Et la paix de Dieu. Second thing. La deuxième chose. Is in verse number 3. C'est dans le verset 3. He said, all praises to God. Il dit, béni soit Dieu. The Father of our Lord Jesus Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus Christ. He said, God is our merciful Father and the source of all comfort. Il dit, le Père de miséricorde est la source de toute consolation. He comforts us in all our troubles. Il nous console dans toutes nos troubles. Amen. Amen. You may be tempted. Vous pouvez être tenté to question God. De poser la question à Dieu. Your faith can shake. Votre foi peut bouger. But make sure. Mais rassurez-vous. To control. De contrôler. What is coming out of your mouth. Ce qui sort de votre bouche. Amen. Amen. He said, all praises be to God. Il a dit, béni soit Dieu. I thank you. Merci. Even though I don't understand. Même si je ne comprends pas. I thank you. Je te remercie. Control what comes out of your mouth. Contrôle ce qui sort de ta bouche. Many ideas can flow through you. Beaucoup d'idées peuvent couler au travers de vous. But you can choose. Mais vous pouvez choisir. What you say. Ce qui sort de votre bouche. Amen. Amen. He said. Il a dit. All praises be to God. Oh, béni soit notre Dieu. Because God is really merciful. Parce que Dieu est miséricordieux. The mercy of God. Miséricorde de Dieu. When situations condemn you. Lorsque la situation te condamne. Your death sentence has been signed. Ton arrêt de mort a été signé. God's mercy. La miséricorde de Dieu. Can step in. Peut entrer. And say no. Et dire non. No. Non. No. Non. No. Non. And God's mercy. Et la miséricorde de Dieu. God's mercy. La miséricorde de Dieu. Went to the tomb. Est parti dans la tombe. And removed Lazarus from the tomb. A enlevé Lazare de la tombe. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Loue Dieu. And thank God. Et dis merci au Seigneur. For all situations, toute situation. Even when you don't understand. Même lorsque tu ne comprends pas. Because God. Parce que Dieu. Is the source of all comfort. Est la source de tout réconfort. He is able. Il est capable. To come. De venir. Even in situations. Même dans des situations. Where, like Paul is saying here, où comme Paul dit ici, he's explaining what happened to them. Il explique ce qui leur est arrivé. Let's see verse number 6. Voyons le verset 6.
He said, even when we are weighed down with our troubles. Il dit même lorsque nous sommes en bas, affligés par notre situation. You see, trouble can weigh you down and put you down. Vous savez, les problèmes peuvent vous abattre et vous mettre par terre. It removes even the desire to pray. Joy is gone. Ça enlève même le désir de prier et ça prend la joie. When you look at the situation, lorsque tu regardes la situation, there are real troubles, des problèmes réels, and you don't know how in the world you will get out. Et tu ne sais pas comment est-ce que tu pourras sortir de cette situation. The apostle Paul said, l'apôtre Paul dit, in verse number 6, au verset 6, even when we are weighed down with trouble, même lorsque nous sommes affligés, it is for your comfort, c'est pour notre consolation, and salvation, et pour le salut. For when we ourselves are comforted, lorsque nous-mêmes nous sommes consolés, we will certainly comfort you. Nous allons certainement conforter d'autres personnes. Amen. Amen. He has a different view of pain and suffering and trouble. Paul avait une autre vue de la souffrance, de la peine et de des troubles. When I am suffering, lorsque je souffre, there is always someone else connected to me. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui est connecté à moi. I am never in solo. Je ne suis jamais seul. Amen. Amen. I have to hang on. Je dois m'accrocher. Believe God. Croire en Dieu. For the help of God. Pour l'aide de Dieu. And the strength of God. Et la force de Dieu. Because with the help of God. Parce qu'avec l'aide de Dieu. With the strength of God. Avec la force de Dieu. Comes a calling. Vient un appel. My life. Ma vie. Will be more productive. Sera plus productive. After I go through. Après que j'ai traversé. What I'm suffering ce today. Ce que je souffre aujourd'hui. Amen. 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 Someone somewhere. Quelqu'un quelque part. Will believe God. Va croire Dieu. Because of what I'm going through today. À cause de ce que je traverse. Aujourd'hui. I have to hang on. Je dois m'accrocher. I have to hang on. Je dois m'accrocher. Because it's me. Parce que c'est moi. And someone else. Et quelqu'un d'autre. And someone else. Et quelqu'un d'autre. And someone else. Et quelqu'un d'autre. Amen. 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 I heard one sister saying this. They were giving interviewing her. J'ai entendu une sœur dire ceci. On était en train de l'interviewer. She said this. Elle a dit ceci. If there were nobody in the Bible. S'il n'y avait personne dans la Bible, who was an old lady, qui était une vieille dame, suffering long time, souffrant pendant longtemps, being mocked by her rival, étant moquée par sa rivale, but she hung on to God. Mais elle s'est accrochée à Dieu. And one day she decided, I'm not leaving the house of God. Un jour, elle a dit, je ne vais pas abandonner la maison de Dieu. Everyone went after service. She stayed. Tout le monde est parti après la réunion. Elle est restée. Cried out to God. Elle a crié vers Dieu. Cried out to God. Elle a crié vers Dieu. Cried out to God. Elle a crié vers Dieu. Everyone went home. Tout le monde est rentré à la maison. She stayed there. Elle est restée là-bas. God heard her. Dieu l'a écoutée. Gave her a child. Lui a donné un enfant. Amen. Amen. The sister said this. La sœur a dit ceci. If she did not suffer, si elle n'avait pas souffert, being mocked, étant moquée, if she did not hang on to her faith, et si elle ne s'était pas accrochée à sa foi, today, aujourd'hui, people are suffering, les gens qui souffrent, we just give up, allaient juste abandonner. But when they remember, mais lorsqu'ils se rappellent, oh non 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 non, non non non, there non, is a Hannah in the Bible. Il y a une Anna dans la Bible. There is a Sarah in the Bible. Il y a une Sarah dans la Bible. I am not giving up. Je ne vais pas abandonner. Because the Bible says this. Parce que la Bible dit ceci. God is the same. Dieu est le même. Yesterday. Hier. Today. Aujourd'hui. And forever. Et éternellement. I will do the same thing. Je vais faire la même chose. I'll do the same thing. Je vais faire la même chose. His love is the same. Son amour est le même. For all of us. Pour tous. I am not quitting. Je ne vais pas abandonner. God has already proven. Dieu a déjà prouvé. He can do. Il peut le faire. I'm waiting for my turn. J'attends mon tour. Hallelujah. 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 There is a new way. Il y a une nouvelle voie. To see. Pour voir. Suffering. La souffrance. Troubles. Les troubles. And its meaning. Et son sens. To change our life. Pour changer nos vies. To change us. Pour nous changer. Into a blessing. Dans une bénédiction.
Hallelujah. 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 You can only give. Vous pouvez seulement donner what you have received. Ce que vous avez reçu from God. De la part de If Dieu. If you have received nothing, si vous n'avez rien reçu, you have nothing to give. Vous n'avez rien à donner. Beloved, people are suffering. Bien-aimés, des gens souffrent. Seriously. Sérieusement. And who will help? Et qui va les aider? Only who receive. Seulement ceux qui ont reçu. The same help. Le même aide. From God. De la part de Dieu. We receive. Nous recevons. To give. Pour donner. Amen. 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 We have to learn. Nous devons apprendre. To be patient. D'être patient. Amen. Amen. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. Merci de prier pour ce ministère, d'envoyer une contribution pour gagner les âmes, prendre soin des orphelins et venir en aide aux enfants à risque. Si vous habitez notre milieu, venez nous visiter dimanche à 10h. Si vous êtes loin, téléphonez, envoyez un email, suivez-nous sur Facebook et Twitter. Chaque matin, joignez-nous au téléphone à 5h Eastern Time. Composez le 641-715-3580. 641-715-3580. Code d'accès 132-392-10. Si vous êtes en dehors des États-Unis, consultez notre page Facebook ou notre website pour le numéro approprié. Jusqu'à la prochaine fois, notre Église, mes collaborateurs, mon épouse et moi-même, nous vous aimons et vous gardons dans nos prières. Que Dieu vous bénisse. Beloved, thank you for praying for this ministry and for sending in a financial contribution to help save souls, care for orphans, and rescue at-risk children. If you live in the area, come visit us. Our services start Sunday at 10 a.m. If you are far, you can call, write, send an email, like us on Facebook, or follow us on Twitter. You can also join us every morning at 5 a.m. Eastern Time for prayer. To join us, the number is 641-715-3580. Access code 132392#. If you live outside of the United States, visit our Facebook page for your country's number. Until next time, we love you and we are praying for you. Merci d'avoir suivi notre émission de ce matin. Je sais que vous avez été bénis. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email en composant le numéro qui vous sera donné en anglais. Que Dieu vous bénisse. Thank you for listening. If you're visiting or live in the Washington, D.C. area, come worship with us. Thursdays at 7 p.m., Sundays 11:15 a.m. at the Walter Reed Community Center, 2909 South 16th Street, Arlington, Virginia, 22204. For prayer requests or a copy of this message, call 1-888-446-6522. That's 1-888-446-6522. Or email us at cioministries@gmail.com. Christian International Outreach Ministries, the place to be.